allez-vous en ce vendredi matin? Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, je ne sais plus quand, mais toujours en janvier. Moi j'ai toujours un souci dans mes dates, mes horloges derrière. Je crois que celle-là n'a plus de pile, faut que je la change. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais les trois horloges en fait, c'est ici c'est l'heure de Tahiti, l'heure de la France au milieu et la noire qui est de l'autre côté, c'est l'heure de la Réunion qui est l'île de mon mari. Donc aujourd'hui, je vais baisser le son. Non, et encore, je vais mettre sur pause. Hop. Je suis en train de regarder le unboxing de Selma Scrap. Bon, ça m'intéresse pas forcément. Parce que, comme cette année, j'ai décidé de pas acheter, donc voilà. Mais bon, c'est joli, quoi. Il n'y a pas à dire la collection Cocoa Daisy. En plus, c'est quelque chose qu'elle a reçu gratuitement, mon Dieu. C'est pas à nous que ça va arriver, ça, dis donc. Enfin, bref. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, et le vendredi, je range mon bureau. Donc, je trie ce qu'il y a trié, jeté ce qu'il y a jeté, comme tous les vendredis. Et en fait, c'est ma journée administrative, donc je vais commencer mon courrier, finir mon courrier. J'ai des papiers encore à faire. Oui, je dois vérifier ma CESU, donc ça a été accepté. J'ai reçu le mail comme quoi ça a été accepté. Maintenant, je dois suivre mon dossier, je suis bien contente. Comme ça, on pourra mettre les jumeaux avec une nounou de temps en temps pour que mon mari et moi, on puisse se retrouver. Je me tape une allergie, je suis dégoûtée. J'ai la main, je sais pas si on va bien voir, je vais vous montrer ça. Voilà ma main du jour. Je suis dégoûtée, je me tape une allergie, je ne sais pas à quoi. Mais je me tape une allergie. Ça annonce bien le week-end, dis donc. Donc aujourd'hui, je range mon bureau. Ensuite, je vais préparer à manger ces spaghettis bolognaises aujourd'hui. Je récupère les jumeaux. Et mon mari ne rentre pas aujourd'hui, donc il rentre demain. Pour le boulot, hein. Il rentre demain matin, donc il ira directement chercher le pain, comme tous les samedis. Donc moi, je vais continuer mon tri, et surtout ranger ce qui est à ranger pour retrouver au moins un joli bureau. Allez, à de suite. J'ai cassé ma perche. Ah punaise, je suis dégoûtée. Bon après j'en ai d'autres, mais bon, celle-là c'était ma préférée parce qu'en fait quand je filmais avec, j'avais ce petit miroir, parce qu'en fait quand je filme avec mon téléphone je me vois pas en fait, parce que je filme avec la caméra de derrière pour que la qualité soit meilleure, et en fait là je me voyais, donc ça me servait. Ça veut dire que je dois coller un bout de miroir sur mon téléphone peut-être. Pas mal l'idée. Je sais pas si vous voyez l'horloge là. Là, je suis avec une autre perche. Donc, comme vous avez vu, j'ai pu plier mon linge. J'ai fait à manger. Là, j'attends que la machine elle finisse. J'espère qu'elle va finir avant que j'aille chercher les petits. Je croise les doigts. Parce que j'ai pris du retard. En fait, normalement, j'aurais dû la lancer avant que j'emmène des enfants à l'école, et j'ai complètement zappé, je l'ai fait au retour, je suis dégoûtée. Bref, enfin, j'ai fait au retour, j'ai fait après avoir rangé mon bureau. Ouf, maintenant, je me pose et je prends du temps pour moi. Donc là, je suis en train de regarder Enrique Iglesias à la téloche, sur YouTube.
Mais allez, gros, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, ce chat. Tu es un chat poté. Tu es un chat de beauté. Tu es un chat de beauté. Alors, c'est pas un chat qui est gentil. Hein. En fait, quand on me l'a donné, il n'a pas été sevré. Donc, on me l'a donné sans que je sache. Enfin, sans que je sache qu'il soit sevré. Donc, il griffe, il mord pas mal. Enfin, maintenant qu'il devient un peu vieux, parce que là, on est en quelle année? On est en 2019. Il va aller sur ses 7, 8, 9, sur ses 12 ans. Tu vas sur tes 12 ans, chouchou. En octobre, tu auras 12 ans. Je vais te faire vieux. Bon, tu as encore presque un an quand même. Bon, je parle à un chat, dis donc. Sinon, j'ai trouvé un moyen, en fait. J'ai trouvé un moyen pour pouvoir lire plus. Parce que je lis pas suffisamment, en fait, dès que j'arrive au lit. Alors, hier soir, on est allé se coucher vers quelle heure? Vers 23h, je crois. Mais à 23h, j'étais au lit et boum, j'étais KO. J'étais KO, KO, KO. Donc, j'ai trouvé un système pour pouvoir lire plus, vu que dans la journée, je fais tellement mille et une choses que je trouvais pas le temps. Donc, en fait, je pars plus tôt pour aller chercher les enfants à l'école. Donc, je prends ce temps-là pour lire. Je suis bien contente. Faut lire dans la vie, parce que sinon on perd la mémoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué mes verres. Les verres qu'on utilise à la maison, ce sont juste les pots de yaourt. On n'a pas de verres finalement à la maison. Avant, on avait des verres, mais je les ai tous donnés. Ou certains verres, c'est parce que ce sont des verres à pied, donc je les laisse dans le garage, dans le meuble pour les sortir quand il faut. Mais sinon, on utilise ces verres-là. Voilà. On n'a pas de verre spécial. Au moins, ceux-là, s'ils cassent, ben, tant pis, je vais rechercher un autre paquet à 99 centimes à Aldi. Et j'en ai quatre, quoi. Et puis, j'aurai des yaourts en même temps. Donc, voilà, j'ai pas de verre spécial à la maison. Voilà. Voilà. Moi, j'ai mon neveu chez lui. Ces verres, ce sont les pots, genre les pots de mayonnaise ou les trucs comme ça, quoi. Même leur tasse, hein, d'ailleurs. Hein. Mais je suis pas prête à laisser ma tasse, moi, pour le moment. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, voilà, pourquoi aller acheter une tasse quand on peut utiliser des bocaux qu'on a déjà à la maison, quoi. Donc voilà, allez. Ça, c'était la petite séquence radine. Allez, à de suite. C'est quoi ça? C'est pour le goûter? C'est pour le goûter? En décembre, on le goûter? Mais tu sais que Kylian, il a déjà mangé deux gâteaux. Et ben moi aussi. Oh bah dis donc. Allez, on descend? Oui, allez, on descend. Allez, on descend. Ah, 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 la queue leu-leu. Ah, ah. Alors les enfants, ils ont fini leur sieste. Moi, je me suis un peu posée cet après-midi. J'ai rien fait. J'ai flâné. J'ai réfléchi à nos futures vacances, des trucs comme ça. Ça va, mes petits? Alors, ils sont en train de prendre leur goûter. Coucou. Comment allez-vous, les jumeaux? Qui a fait un gros goût dodo? Oui, Vemiti, elle voulait pas se lever. Qui a réveillé Vemiti? C'est qui t'a réveillé? C'est Monsieur Kilian. C'est bon le gâteau, Miti? Ça a l'air bon, hein? Ça va, Vemiti? Oui. Elle va faire pipi. Donc, Monsieur Kilian va faire pipi. Donc là, ce soir, il n'y a que tous les trois. Tous les trois, on va manger une petite soupe ce soir parce qu'en fait, j'avais déjà préparé une soupe et les pâtes qui restent et tout. Je pense que je vais garder pour demain midi. Comme ça, je n'aurai pas à cuisiner. Que dire? N'oubliez pas, pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma vidéo FAQ, donc foire aux questions, qui est ouverte. Je pense que je vais mettre le lien en barre d'infos ou dans le i. Je sais pas. Je crois que je vais faire dans le i si j'oublie pas. Comme ça, vous allez pouvoir me poser des questions. D'accord, t'as une voiture, super.
C'est super. C'est super. J'aime bien l'embêter, Kylian. Alors, Vémiti, elle est devant son Peppa Pig pendant que Kylian est devant des voitures. Alors, une fois, je regarde mon compte YouTube et puis je vois que j'étais... qu'il y avait quelqu'un en live. Et moi, j'aime bien aller voir les gens qui sont en live et tout. Et je regarde et puis c'était Peppa Pig. J'étais abonné à Peppa Pig. Parce qu'en fait, quand Vémiti va sur mon va sur YouTube, elle va avec mon compte. Donc, elle s'est abonnée à Peppa Pig. Alors, je sais pas avec qui d'autre elle s'est abonnée. Donc, non, pas grand-chose ce soir. On va se manger une petite soupe. J'ai fait un gâteau yaourt en fin d'après-midi. Voilà, pour soit ce soir en dessert, soit demain, quand mon mari reviendra. Vémiti tousse beaucoup encore. Je comprends pas les parents qui envoient leurs gosses malades à l'école. Alors mon mari qui me dit oui mais c'est normal parce que les parents ils travaillent. Mais je m'en bats les miches moi, putain. Je suis désolée. Non sans déconner, je m'en bats les miches parce que en fait Vémiti elle a du mal à guérir. Donc moi quand elle est malade je la garde. Donc on a passé toutes les vacances où elle était malade, où j'ai essayé de la guérir et tout. À la rentrée ça se passe bien et là, ben non. Et en fait on voit que dans sa classe ben, presque tout le monde est malade. Voilà, ça me fait yèche, quoi. Parce que c'est surtout elle. Vémiti est beaucoup touchée, tout le temps. Depuis qu'elle est bébé, c'est tout le temps elle qui est touchée. Moi, j'ai un warrior. Là. Mon fils, c'est un vrai warrior, quoi. Un peu comme moi, rarement malade. Voilà. Donc voilà, en fait. Cette journée, elle se finit sur ces quelques mots. J'étais bien contente de voir toutes les questions sur ma FAQ là déjà, j'ai hâte d'y répondre, il y a certaines choses où j'ai hâte. Il y a pas mal de questions sur ma vie privée aussi, ça aussi c'est... Je sais pas si j'ai hâte d'y répondre, mais après de toute façon quand j'y réponds c'est pas grave parce que de toute façon la vidéo après elle se perd dans les milliers de vidéos qui traînent sur YouTube, donc voilà. Il y a aucun souci. Donc moi je vais vous laisser sur ces quelques mots. Qui je choisis, Kylian ou Vémiti pour jouer? Kylian. Je choisis Kylian. D'accord, ben je viens avec toi. Donc voilà, sur ces quelques mots, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et Vémiti aussi, tous les trois. Oh là là, tous les trois. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et puis nous, on se retrouve demain. En espérant que papa, il arrive tôt quand même. Mais bon, j'espère aussi qu'on va pouvoir faire une grasse mat. Parce que Miss Vémiti, c'est une lève très tôt. Ouais, elle se lève super tôt. Enfin bref. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bye bye!